Prenons un peu d'altitude au cœur du parc naturel du Luberon. Dominant toute la vallée, Ménerbe, un petit village perché de 990 habitants, incarne sans nul doute la douceur de vivre à la provençale. Véritable vaisseau de pierre dans une mer de vignes et de vergers, gorgé de soleil, bercé par le mistral, ces ruelles serpentines vous invitent à oublier le temps qui passe et à vous balader la tête en l'air pour apprécier la richesse d'un patrimoine bâti séculaire. Ici, les volets sont rouges, verts, bleus, les allées sentent bon le jasmin et les places sont parsemées d'oliviers. Un petit paradis qui a vu grandir Alexandre et qui continue de nourrir les plaisirs simples de son quotidien. Il y a un cadre de vie qui est exceptionnel. Les couleurs changent constamment. On connaît tout le monde et tout le monde se connaît. Ça va, Jean-Pierre ? Ça va. Qu'on a tendance à blaguer en plus, hein, dans le sud, il faut dire ce qu'il y a. Et c'est un village vraiment convivial. Et c'est vers l'an 1080 que tout a commencé à Ménerbe. De preux chevaliers s'installent dans le village, acquièrent des terres, activent l'économie et se partagent le pouvoir. Pour remonter le fil de cette histoire, Alexandre retrouve sur l'actuelle place de la mairie Christian Markiewicz, archéologue spécialisé du bâti. On est vraiment au cœur du village, hein. Et donc cet espace a été choisi pour édifier la maison communale qui est en fait l'ancêtre de la mairie. Elle est symbolisée par cette tour dite de l'horloge qui marquait en fait les heures de garde à l'époque, hein, au XVIe siècle. Tu vois, elle est massive, elle domine largement les toitures pour bien montrer que oh, le chef, c'est nous, c'est les seigneurs. Sur cette même place, derrière de simples façades sans fioritures, se cachent de sublimes cours intérieures, animées de végétation et de décors sculptés. On est un petit peu dans un esprit de théâtralité, si tu veux, comme le montre dans La Fontaine, tu vois, le joli mascaron là, qui est emprunté au théâtre grec. On vient ici pour le plaisir, avec cette ouverture là. Sur le Luberon. Non, non, mais c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Hein. Je crois qu'on peut tomber amoureux facilement de ce village. Prenez vous aussi le temps d'admirer le paysage, de vous rafraîchir à la fontaine du jardin Jodoning ou aux abords du lavoir. Près de 1000 ans d'histoire et de mystère s'offrent donc à vous en un seul coup d'œil. À quelques pas de là, vous découvrirez l'église Saint-Luc, un monument du XVIe siècle à l'architecture austère et imposante. Alors cette partie qui limite le cœur de la nef, cet arc s'appelle un arc triomphal. Et puis à l'intérieur du cœur, donc on a ces demi-voûtes qu'on appelle des voûtins. On voit quatre personnages, ce sont les évangélistes. Saint Marc qui est représenté par le lion. Par le lion, parce qu'il prêche dans le désert, bien sûr. Et Saint Matthieu qui est représenté par un livre. Exactement, bravo, tu as bien retenu tes cours de catéchisme, je te fais. Sachant que je ne l'ai pas fait. Autour de ce cœur, cinq petites chapelles latérales, autrefois privées, abritent la sépulture des grandes familles du village. Il se pourrait très bien que sous tes pieds, aujourd'hui, on ait des personnages illustres qui soient enterrés. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler trop fort, trop les déranger. D'illustres noms qui hantent l'église, mais aussi certaines bâtisses du village depuis toujours. Ménerbe, son air, ses paysages et ses couleurs, ont su attirer les poètes, les photographes et les peintres. Des artistes qui transforment les hôtels particuliers d'hier en résidences d'été propices à l'inspiration. Alexandre nous fait visiter l'une d'elles. Bonjour Gwen. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va et vous ? Ça va très bien. Gwen est la directrice des lieux. C'est une très jolie maison de 19e siècle et c'était construit par un général de Napoléon, de la guerre d'Espagne. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris plusieurs petites maisons du village pour créer cette belle hôtel particulière. Mais la maison est vraiment connue parce que c'était la maison de Dora Maar. Photographe et peintre surréaliste, Dora Maar est aussi la muse du grand Pablo Picasso. Les deux amants découvrent Ménerbe dans les années 40 et succombent à son charme. Donc ici, on a un très joli portrait de Dora Maar fait par Picasso. Donc c'était un couple très passionné. Ils avaient les grandes disputes, ils se retrouvent. Dora Maar a compris ça, il fallait qu'elle accepte Picasso tel qu'il est. À leur rupture, Picasso offre un tableau à Dora. Elle le revend pour acheter cette maison.
Et elle venait ici chaque année à Menerbe pour ressourcer, pour faire ses tableaux, pour peindre. Je pense que c'était vraiment un moment de paix et d'inspiration. Oui. Heureux de sa visite, attiré par l'odeur du sucre chaud, Alexandre succombe à une envie de navette provençale. Saveur anis, chocolat ou fleurs d'oranger, ce biscuit est une véritable institution, presque autant que la boulangerie du village. Donc ça fait longtemps, Hélène, que vous êtes là. Eh oui, c'est depuis 1927. Ah oui. Donc ça fait 4 générations de boulanger sur Menerbe. Ciao, merci. Ciao. Menerbe, c'est aussi un terroir remarquable et une tradition agricole perpétuée par des passionnés comme Yves, qui cajole ses vignes depuis plus de 30 ans. Historiquement, Menerbe est sur le passage de ce qu'on appelle la Via Domitia, qui était l'autoroute des Romains, qui menait de Rome à Cadix. Ce sont eux qui nous ont amené la vigne. Il y a là des terres extraordinaires, notamment pour les arbres fruitiers. On plante des pommes, on a des bonnes pommes. On plante des pêches, elles sont bonnes. On fait des abricots, ils sont formidables. Au domaine de la citadelle, les vignes cohabitent avec un jardin botanique implanté sur 6 restanques du XVIIIe siècle. Moi, j'ai attendu quand même quelques années pour tout d'un coup prendre conscience de ce que pouvait représenter le monde végétal. Et là, regarde ça. Alors, l'herbe à curry, on ne sait pas à quoi elle ressemble finalement. Or, c'est une plante qui est endémique ici. Sans... Voyage de suite en le sentant. Hein. Et c'est une plante considérée comme une plante tonique, donc qui te remet en... Qui remet du gaz. Fond, ouais. Des plantes aromatiques, mais aussi médicinales, sauvages et même magiques. Moi, j'ai conçu ce domaine comme un lieu de vie, où on peut passer plusieurs heures, comme plus la vue sur Menerbe. C'était une chance formidable, c'est une carte postale. Lors de votre escale à Menerbe, ne vous privez surtout pas de cette balade bucolique au domaine de la citadelle. Allez visiter l'hôtel de la Carmejeanne et passez sous le porche de la tour de l'horloge pour profiter d'une vue imprenable sur tout le Luberon.